Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un mois d'absence, j'espère que je vous ai pas trop manqué. J'ai mis un peu de temps à ressortir une vidéo, pourquoi? Parce que les vidéos c'est long à faire, mine de rien, à tourner, à shooter, faire développer, puisque bien évidemment je fais que de l'argentique, donc ça prend un peu de temps. Et la dernière vidéo que j'ai sortie, qui est donc il y a un mois à peu près, parlait uniquement de photographie en vacances, et donc je suis parti en vacances, juste après cette vidéo, vraiment quelques jours après. On est parti à Mykonos avec ma copine et donc j'ai pu en profiter pour faire quelques photos là-bas sur place et filmer un petit peu. Et donc je vous ai préparé un petit peu tout ça. Ce qui est marrant, c'est que là-bas, bon, je m'y attendais un petit peu à voir ce côté un peu fête, jet set, comme on aurait dit avec ma copine sur place. Et c'était marrant de voir un peu ce côté-là où moi j'ai pas forcément l'habitude et c'est pas ce que je recherche. On m'avait dit la même chose quand j'avais été à Ibiza, alors qu'à Ibiza, pas du tout. Il y a vraiment ces deux côtés, un petit peu nature sauvage et si on veut faire la fête. Et je me suis dit que ça serait à peu près la même chose à Mykonos. Et pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, je trouve en tout cas, fait que pour la fête. C'est très cher, donc ça faut le savoir. Mais en tout cas, ça reste très joli à voir. Et du coup, j'ai pas du tout pris en photo, vous le verrez. Ces espèces de petites maisons blanches, etc., même s'il y en a quelques-unes. Cette petite ville d'ailleurs, portuaire, qui est très jolie, mais il y a extrêmement de monde dans cette petite ville, donc du coup, faire des photos, filmer en plus avec quelqu'un, c'est pas très discret, donc on a préféré faire autrement, et plutôt s'intéresser sur l'arrière-décor, l'arrière-pays, pour pouvoir avoir un espèce de contraste sur ce qu'on peut voir là-bas quand on arrive, et on est émerveillé par toutes ces choses, ces belles choses, ces fêtes, etc. Alors que l'arrière-boutique est tout autre. Parce que quand on se balade derrière, du coup, quand on est arrivé, moi, ça m'a frappé. Nous, on se baladait en quad énormément. Et du coup, là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de voitures abandonnées partout, plein de... c'est sec, très sec. Moi, je voulais montrer ça en photo. Et donc, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Je suis parti avec mon Mamiya 7 et un petit Olympus Mewtwo. Dans cette vidéo, vous allez voir essentiellement du Mamiya 7 et peut-être à la fin un petit peu d'Olympus Mewtwo en bonus. Voilà. Petite chose très importante, c'est que on est parti presque 2 semaines sur place. Et donc, je voulais pas faire des photos tout le temps, filmer tout le temps, etc. Déjà parce que je voulais pas une vidéo d'une heure à la fin, surtout sur une île, ce qui est dommage. Et du coup, on a fait le choix de profiter des vacances, ce qui est une bonne chose. Si vous regardez ma vidéo précédente, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et du coup, je me suis dit, moi j'adore les photos Golden Hour, etc., avec une belle lumière rasante et tout ça. Et donc là, on a dit, on va filmer que pendant 2 soirs, donc 2 Golden Hour, et peut-être une après-midi supplémentaire si jamais il n'y a pas assez. Donc au final, toute la vidéo que vous allez voir a été tournée sur 2 jours et demi, on va dire, même pas, parce que c'est quelques heures à chaque fois, hein. La Golden Hour, ça dure une demi-heure la peine. Et donc voilà. J'espère que ça va vous plaire, on se retrouve juste après en conclusion. Bonne vidéo à vous. Thank you.
La lumière. Mais où ?
Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner. C'est dommage. Si jamais ça vous a encore plus plu, mettez un petit like. On partage, ça c'est bonus plus plus. Et voilà, donc discutez-en en commentaire entre vous. J'y répondrai peut-être. Non, je rigole. J'y réponds. Je réponds à tout le monde. C'est vraiment ça qui anime les vidéos YouTube. Et c'est pour ça que je fais ça. Parce que j'adore communiquer avec vous. Je trouve que c'est une belle plateforme pour ça. Où on peut faire du contenu un petit peu plus poussé, un petit peu plus travaillé. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les vidéos, bah, ça prend du temps. Et c'est pour ça que je prends un peu plus de temps que mes posts sur Instagram ou en story sur Instagram. Donc si jamais vous voulez me voir plus actif, il faut aller sur Instagram. On se retrouve très bientôt parce qu'il y a quand même une vidéo qui est presque prête dans le four. Donc on se retrouve bientôt pour pouvoir regarder ça. Je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt. Ciao.